Puis toi, pourquoi tu m'as rien dit? C'est Diane qui m'a appelé. Comment je posais de prendre sa main? Je pense que je vais vous laisser tous les deux. Est-ce que tu as fini tes examens? Non. Tout de suite après l'appel de Diane, j'ai contacté mes profs. Il me restait 3 examens, puis je les ai fait reporter. Ma place est avec toi, Lily. À quoi t'as pensé? T'aurais pu mourir, puis quoi? Je l'aurais su après, moi? Mais je suis pas morte, là, tu le vois bien. Puis je mourrai pas non plus. L'opération a super bien marché. Je saigne plus, puis j'ai même pas été endormie. Après une embolisation, t'as sans doute perdu 5 à 10 % de tes fonctions pulmonaires. Lily, t'étais déjà à 40 %. C'est pour ça que la nuit, t'as besoin d'oxygène, puis tu t'essouffes à rien. C'est à 30 % qu'ils commencent à parler de... d'une grève de poumons. T'es presque rendu là, puis tu voulais même pas que je sois là avec toi. Non, mais c'est quoi, là? Tu me trouves trop nerveux, trop stressé, trop fatigué, c'est quoi? Non! Je veux juste pas te perdre. Ouais, c'est ça, tu veux pas me perdre, hein? Tu veux pas me perdre, mais moi, je pourrais te perdre sans même le savoir, puis tu trouves ça correct? Mais je pensais bien faire. Je voulais pas te gâcher ta semaine d'examen, ici. Ton show. Oh, un vrai show. Les examens, ça se rapporte. Il n'y a plus de sang, regarde. Il n'y en a plus de sang. Je vais t'aider à le faire, ton père, là. C'est ma job. Ton père, il est bien bon, là, mais... T'as fait toute ton enfance, là, c'est à mon tour. Ça va.